Cette coupure symbolique du ruban par le gouverneur Christophe Basséa Nenanga éteint définitivement les critiques contre la société Kibali Gold Mine au sujet des marques des bureaux de représentation à Isiro, chef-lieu dit Haut-Tuélé dans lequel la société se trouve implantée en territoire de Wacha, précisément à Dokodurba. Désormais, le géant Kibali Gold Mine a un bureau de représentation à Isiro sous l'exécutif Basséa Nenanga, signe d'un bon climat de collaboration entre cette grande société minière et la province. Elle n'est pas une fin en soi. Elle constitue plutôt une des étapes dans les processus déjà mis en œuvre par la société pour se conformer aux dispositions légales, réglementaires en matière de l'implantation de son siège social. Nos salutations et nos remerciements s'adressent à vous, Excellence Monsieur le Gouverneur, pour vos interventions et réponses adéquates à nos différentes requêtes concernant les nombreux défis et difficultés dans les activités d'exploration et d'exploitation de la société. Depuis plusieurs années, vos interventions permettent à la société Kibali de poursuivre jusqu'à ce jour le développement de son projet minier aurifère de classe mondiale, dont les retombées positives dans la région ne sont plus à démontrer. Une satisfaction pour le chef de l'exécutif du Haut-Tuélé. Mes hommages les plus mérités s'adressent à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour ses efforts permanents à consolider la paix sur toute l'étendue du territoire national et favoriser ainsi l'amélioration du climat général des affaires. Il vaut mieux tard que jamais. C'est pourquoi le gouvernement provincial que je dirige félicite vivement la haute direction de la société Kibali Gold Mines pour avoir enfin décidé d'ouvrir temporairement ce bureau de représentation, mais souhaite que ce geste transitoire aboutisse dans un délai raisonnable à la construction d'un siège à la hauteur de notre chère société. Ce bureau de représentation de Kibali Gold Mine à Isiro est un joli complexe architectural situé au quartier résidentiel de la Raquette. La société Kibali Gold Mine est implantée dans la province du Haut-Tuélé à Durbawacha depuis environ 10 ans. Elle est un partenaire privilégié du gouvernement central et provincial pour le développement de la République et de la province du Haut-Tuélé en particulier.